Merci de cette belle introduction. Je vous remercie aussi d'avoir pu entrer à travers de l'histoire rwandaise pour essayer au moins avoir un contexte historique, politique, pour comprendre quand même au moins la base, pourquoi le génocide est survenu. Parce que le génocide, quand même, c'est quelque chose qui est complexe. Et puis, je vous remercie pour cette opportunité qui va être une continuité des étapes dont vous êtes en train de traverser, parce que je vais vous dire ce que j'ai vu en tant que survivante du génocide des Tutsis. C'est vraiment très spécifique parce que les gens disent que c'est un génocide des Rwandais, mais ce n'est pas un génocide des Rwandais, c'est un génocide du peuple Tutsi, parce que ça a été commis sur le peuple Tutsi. Il y a beaucoup de négationnistes, il y a beaucoup de gens qui essaient de changer l'histoire, qui parlent vraiment des génocides rwandais pour montrer que ce n'est pas un génocide des Tutsis. Et c'est très important vraiment, comme vous avez fait allusion à l'appellation des Nations Unies, pour voir comment vraiment l'appeler, parce qu'il y a beaucoup de choses, de gens qui ont beaucoup d'intérêts, qui cherchent à modifier l'histoire pour leurs propres intérêts. Moi, pour vous commencer, je vais vous dire de mon expérience. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, une belle histoire à raconter, une belle histoire à écouter, mais c'est des faits quand même qui se sont survenus. Et puis, il faut vraiment raconter ça. C'est un devoir des survivants pour raconter ce qui s'est passé, parce que les victimes ne sont plus là pour raconter leurs histoires tragiques. Et moi, je trouve que c'est une obligation pour les gens qui ont vu des choses pareilles pour parler, pour quand même essayer, pour que ces choses ne se reproduisent pas, pour que le monde sache ce qui s'est passé au peuple Tutsi, et aussi pour empêcher ces gens-là qui cherchent à modifier l'histoire pour leurs propres intérêts. Avant de commencer, je vais vous donner un petit contexte. Donc, je suis née et grandie dans la province de l'Est du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Rwanda, c'est un petit pays situé en Afrique centrale. On l'appelle pays des mille collines à cause de ses belles collines et hautes montagnes. C'est une région vraiment jolie. C'est un beau pays à visiter si vous avez la chance. Si vous visitez le Rwanda, vous trouvez ces belles collines, ces montagnes qui abritent les gorilles. Mais partout où vous allez au Rwanda, dans tout le pays, vous allez voir, comme la photo tout de suite là, vous montrez sur l'écran, donc vous allez voir partout où vous allez au Rwanda, les sites mémoriels qui abritent plus d'un million de corps de victimes. Donc, vous voyez tout ça, le pays est bon, le pays est joli, le pays est sécurisé aujourd'hui, mais partout où vous allez, ça vous rappelle l'histoire tragique, l'histoire douloureuse du pays, à cause de tout ce que vous voyez. Donc, à cause des choses qui se sont passées 28 ans après. Donc, le présent moment aussi, je dirais que c'est le moment présent pour raconter ces histoires, les témoignages des survivants, des génocides, parce que on est toujours dans les 100 jours pour commémorer le génocide et la mémoire aux victimes, parce qu'on commémore depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, parce que c'est la période où le génocide s'est écoulé. Donc, c'est 100 jours depuis avril jusqu'à juillet. Chaque année, on fait la commémoration du génocide. Donc, on est vraiment dans la même période. Pourquoi je dis que ça tombe bien. Pour vous raconter mon histoire, donc, moi, je commençais à vous dire que dès le bas âge, comme la question que tu m'as posée, depuis que j'avais 8 ans, moi, je sentais la peur. Je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans notre communauté. Moi, je me rappelle tout le temps, par exemple, mon père était un enseignant. Il enseignait dans une école élémentaire dans notre communauté. Il pouvait, par exemple, finir le travail et rester un peu dehors avec ses amis. Mais je me rappelle tout le temps, ma mère disait,
Est-ce que quand il reste un peu dehors, un peu tard, donc je voyais tout le temps ma mère regarder à travers la fenêtre, se demander est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il va rentrer sain et sauf, est-ce qu'il va pas être tué. Donc je voyais la peur dans ses yeux et puis l'inquiétude. Et puis je demandais à ma mère, mais pourquoi on... Parce que mon père était vraiment une bonne personne et puis tout le monde l'aimait dans notre communauté. Moi, tant qu'un enfant de 8 ans, je me disais à ma mère, pourquoi tu parles, pourquoi tu t'inquiètes de la sécurité de mon père tout le temps qu'il reste dehors, pourquoi les gens peuvent tuer mon père, tout le monde l'aime. Mais elle ne me disait rien, elle ne pouvait pas répondre. Mais moi, il y avait des conversations autour de la mort, donc qui me disaient que ce n'est pas vraiment sécuritaire, quelque chose peut arriver. Il y avait tout le temps les dialogues à propos des gens qui ont été tués avant qu'on naisse. Donc, on savait que les Tutsis, quand même, peuvent être tués n'importe quand. À l'école, c'était la même chose parce que notre enseignant, les enseignants, dès le bas âge, donc ils avaient une stratégie d'enseigner la haine contre les Tutsis. Les enfants pouvaient traiter les autres d'une mauvaise manière. Parce qu'il y avait une stratégie, par exemple, une fois, deux fois la semaine, notre enseignant pouvait nous dire aux enfants autour, par exemple, de se lever. Il les comptait, un, deux, trois. Ils étaient majorité comme peut-être 25 Hutus dans une classe, peut-être de un ou deux Tutsis. Il pouvait demander aux enfants Hutus de se réveiller. Et puis, il les compte tranquillement. Et puis, si c'est le tour des enfants Tutsis, on se réveillait. Je me rappelle qu'on se réveillait, on était comme une ou deux ou trois. Et puis, ils avaient tendance, tu te lèves et puis tu sens au niveau de ton dos les enfants qui te frappent, les enfants qui tissent tes cheveux, les enfants qui te lancent les objets. Donc, il y avait déjà la violence à l'âge de 8 ans, 10 ans. Et puis, il y avait la honte. On se sentait vraiment qu'être tout petit, c'est la honte. C'est quelque chose de mauvais. Moi, je pouvais rentrer à la maison, je demandais à mon père pourquoi tout ça, pourquoi on nous maltraite. Des fois, j'avais même peur, je refusais d'aller à l'école parce que les autres enfants te menaçaient. Même l'enseignant favorisait tout ça, on pouvait le voir. Mais mon père était enseignant, il savait ce qui se passe. On enseignait vraiment la haine dès le bas âge. Ça se passait comme ça partout dans nos écoles. On pouvait sentir la haine. On pouvait sentir la violence qui venait des autres enfants. Même dans la récréation, l'enfant pouvait te frapper sans aucune raison. Donc, c'était comme ça. Donc, moi, j'ai grandi comme mes soeurs, mes frères. On a grandi vraiment dans cette atmosphère de peur. C'était pas généralisé, c'était pas tous les jours où on se sentait menacé, mais c'est quelque chose qui était vraiment ancré dans notre communauté. On vivait ça vraiment de temps en temps. Je savais que ça existe et je savais que les Tutsis sont menacés. Moi, je me posais la question, je posais aussi la question à mon père. Moi, je pense que les Tutsis, peut-être, ont fait quelque chose de mauvais. Pourquoi on les déteste? On ne peut pas détester quelqu'un pour rien. Mais mes parents, c'était quand même aussi un sujet tabou. Personne ne pouvait parler clairement. Et puis, à cet âge-là, on ne pouvait pas comprendre les contextes politiques et tout ça. Mais on savait on a grandi en sachant qu'il y a un problème au sein de la communauté. Bon, on a grandi comme ça, mais comme tu l'as dit, dans les années 90, quand le Front patriotique rwandais a commencé la guerre contre le gouvernement, je pense que vous avez vu le Front patriotique, c'est des gens qui se sont groupés en dehors du pays. Leurs parents avaient fui le pays depuis longtemps. Parce qu'ils étaient Tutsis, il y avait beaucoup de Tutsis qui survenaient, qui survivaient des massacres, et restaient en dehors du pays, ne pouvaient pas rentrer dans le pays. La plupart des gens vivaient dans les camps de réfugiés en Ouganda, au Congo, à Burundi, au Zaïre, les pays limitrophes du Rwanda. Incertainement, ils se sont regroupés, ils ont pu commencer la guerre contre le gouvernement pour trouver leur pays, pour retourner dans leur pays et faire retourner leur famille. Mais avec ça, la situation à l'intérieur du pays a été quand même aggravée parce que les Tutsis à l'intérieur ont été menacés.
Certains ont été même tués, les autres ont été mis dans les prisons. Je me rappelle une fois, ils sont venus chercher mon père pour le mettre en prison parce qu'ils disaient que ce sont les complices, leur famille ou leurs amis qui vivent dehors parce qu'ils étaient Tutsis en majorité. Ils menacent le pays, donc les Tutsis à l'intérieur doivent payer le prix parce qu'ils sont complices. Mais quand même, il y avait un leader, c'est comme une mère qui était l'amie de mon père. Mon père n'a pas été mis en prison. Il a dit, reste chez toi, on va te surveiller, on va surveiller tes mouvements pour voir si tu es complice, si tu facilites les choses contre le gouvernement. Mais c'était tranquille. Mais il y a beaucoup de familles qui ont perdu les membres avant même le génocide, dans les années 90. Ça a été comme ça. La situation a vraiment été délicate. L'insécurité à cause de la guerre, de ces gens qui venaient de l'extérieur contre le gouvernement. Ça a été comme ça jusqu'en avril 1994, où l'avion du président rwandais a été abattu. Donc, avec cet événement, donc les choses ont changé. Je me rappelle, c'était le 7 avril. On s'est réveillé le matin. J'ai entendu mon père parler à ma mère. Il m'a dit, cette fois-ci, c'est fini. C'est comme si, quand ils ont su que l'avion du président a été abattu, donc ils ont dit, il y a plus de chance. Parce que c'était quand même quelque chose de délicat, et même si on ne savait pas qui venait de tirer sur l'avion. Nous sommes restés ce jour-là, c'était le 7 avril, on est resté à la maison. Le lendemain, on pouvait voir la fumée, on pouvait voir de loin la fumée des maisons qui étaient en train d'être incendiées. Il y a les maisons qui étaient incendiées avec les familles à l'intérieur déjà. C'était comme ça, mais quand même, on voyait ça de loin. C'était pas proche de notre maison. Le lendemain, c'était le 9 avril. On est resté à la maison encore. Vers la soirée, il y a un voisin, notre voisin qui est venu à la maison. Il a dit à mon père, il faut pas rester ici parce que on a organisé un groupe de gens qui va venir ici ce soir exterminer toi et ta famille. Donc, il faut essayer à tout prix de quitter cette maison. On ne savait pas où aller, mais mon père a dit, il m'a dit avec ma grande sœur et mes deux petites sœurs, il nous a dit de quitter la maison, d'aller. Il y a une famille, une amie, une famille amie, il nous a dit allez. Elle s'appelle Judith. Il faut aller chez Judith. Judith était une femme Tutsi mariée à un Hutu. Donc, il pensait là-bas vraiment qu'à cause de son mari, on va être vraiment safe, on va être en sécurité là-bas. Nos frères aussi ont été envoyés dans une autre famille, pareil. On est allé, bon, c'était vraiment comme 4 km de notre maison. On est allé dans la soirée, on est arrivé sain et sauf. Mais le monsieur de la maison n'a pas voulu qu'on reste dans sa maison parce qu'il avait peur que peut-être ses voisins vont le dénoncer, vont dire qu'il cache. On appelait les Tutsis, on les appelait les noms, on les appelait les ennemis, on les appelait les Sherpas. Les Africains, vous savez comment dans la culture africaine, le serpent, quand tu le trouves, tu dois le tuer parce que c'est un animal dangereux. Donc, on essayait quand même de donner les tout, de déshumaniser, d'enlever l'humanité aux Tutsis pour pouvoir les tuer facilement. Donc, le monsieur avait peur, comme quoi, si les gens nous trouvent dans sa maison, il peut avoir des problèmes lui-même, même s'il était Tutsi, il était Hutu, ou même sa femme peut être maltraitée. On a resté dehors. Il y avait beaucoup de pluie cette nuit. Mais quand même, on a resté dehors toute la nuit. Le matin, on est retourné dans sa maison et nous a accueilli la femme et nous a donné quelque chose à boire. Et puis, nos parents se sont rejoints à nous
Par miracle, le matin, ma mère et mon père sont venus. On était content de les voir vivants parce que pendant la nuit, vraiment, on voyait des massacres. C'était noir, on se cachait, mais on pouvait voir les maisons brûlées, on pouvait écouter les cris, les gens qui criaient. Mais c'était quand même comme ça. Le matin, nos parents nous rejoignent. Et puis, mon père, déjà, quand nous avons quitté notre maison, eux aussi sont restés dehors. Mais comme à minuit, ils étaient fatigués, il y avait la pluie, ils ont dit, ben, c'est calme, et on peut rentrer à la maison, on peut essayer de dormir. Le matin, on peut voir peut-être aller quelque part. Ils se sont entrés dans la maison, mais quelques temps, vraiment comme 1 heure plus tard, ils étaient en train de dormir. Les groupes de gens entrent dans la maison. Ils cassent tout, ils entrent à l'intérieur de la maison. Ils nous connaissaient, ce sont les voisins. Mes parents même écoutaient les voix qui sont familières. Ils entrent dans la maison, ils nous cherchent dans les chambres, ils ne nous trouvent pas. On était beaucoup d'enfants, donc nos chambres étaient vides. Ils ont commencé à voler les choses, les matelas, les lits. Ma mère était vraiment une cultivatrice, il y avait beaucoup de nourriture dans son stock. Ils ont commencé à voler les choses, ils ont commencé à détruire la maison, à lever les portes. Mais à un certain moment, ils ont vu que la chambre de nos parents était fermée. Donc, ils ont pensé qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont essayé de casser la maison, la porte, mais ils n'ont pas pu. Alors que les autres étaient vraiment très occupés à voler les choses. On peut aussi dire que la pauvreté a contribué parce que les gens étaient vraiment préoccupés à voler les choses avant même de tuer les gens et de tuer les gens même pour accaparer leurs biens. Mais ça, c'était comme ça. Du coup, c'était un peu calme. Nos parents ont pu sortir de la maison. Ils n'ont pas rencontré personne. Ils se sont pu cacher vraiment à côté. Dans quelques minutes, ces tueurs-là viennent. Ils ont trouvé que la porte de nos parents est ouverte. Ils ont cherché avec leurs chiens, avec les torches à côté de la maison pour les trouver, mais heureusement, ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ont survécu déjà. Quand ils nous sont rencontrés le matin, on ne savait pas ce qui s'est passé. On était content de le voir. Mais ils avaient déjà survécu. Il y a beaucoup de familles qui n'ont même pas pu sortir dans leur maison. Et puis, mon père, ce matin, il a décidé qu'on aille à l'église catholique. L'église catholique, c'était comme dans 5 km d'où on était. C'était pas évident comment on va aller parce que partout, il y avait les tueurs dans les rues avec les armes. Mais quand même, on a pu aller, on a pris un raccourci, on a évité les routes principales. Dans la rue, on rencontrait les gens avec les armes qui connaissaient mon père, mais ils nous ont rien fait. Il y a même un qui nous a montré, il faut passer ici, si vous passez ici, vous pouvez pas arriver à l'église. Pour vous donner le contexte, l'église catholique, parce que 95% des Rwandais de la population rwandaise était catholique. Donc, il y avait cette tendance religieuse que une fois que tu arrives à l'église, personne ne peut venir te chercher là-bas et te tuer. Donc, les églises étaient prises comme les endroits sacrés où on ne peut pas commettre un meurtre, où on ne peut pas faire un péché. Même dans les années passées, il y avait les Tutsis qui étaient tués, mais une fois que tu arrives à l'église, donc tu es sauvé, personne ne pouvait venir te maltraiter ou te tuer une fois que tu arrives à l'église. Donc c'était cette conception-là. Une fois il y a des choses qui arrivent, les gens pouvaient fuir à l'église. Parce que la majorité, une grande majorité, avait cette tendance religieuse. Qu'on ne peut pas aller quand même commettre un meurtre à l'église. Donc, on arrive à l'église, moi et ma para, mes frères aussi de l'autre côté sont pu venir à l'église aussi. Quand on est arrivé à l'église, il y avait vraiment
C'était chaos déjà parce qu'il y avait beaucoup de familles qui sont là, qui ont déjà perdu les membres de leur famille avant qu'ils atteignent les crises. Donc c'était chaos, les gens étaient malheureux, il y avait rien à manger, il y avait quoi boire, il y avait pas de l'eau, il y avait trop de monde, la situation était chaos. Donc on est là. On essayait quand même, il y avait deux prêtres qui essayaient quand même de maîtriser la situation, de donner quelque chose à boire aux petits-enfants qui pleuraient. On restait là-bas toute la journée, la nuit, on a pu dormir. Mais le matin, je dirais que déjà l'église était encerclée par les tueurs. Parce qu'ils étaient là, ils tuaient tout le monde qui pouvait tenter d'entrer au sein de l'église, ou quelqu'un qui sortait pour aller chercher quelque chose, il revenait pas. Donc l'église était encerclée par les tueurs. Je veux vous dire que honnêtement, tout le monde était fatigué, il y avait quoi man rien manger. Il n'y avait pas vraiment l'espoir de la vie. Et puis, on voyait qu'on savait que le gouvernement, cette fois-ci, est pour les tueries, même s'il y avait les villageois, les citoyens comme moi. Donc, il y avait c'était eux qui commettaient les génocides. Mais les leaders étaient les groupes armés, les leaders politiques qui étaient là pour l'appuyer. Mais vraiment, les massacres étaient commis par la population hutue. Donc, c'était cette fois-ci le 11 avril où le matin, on a trouvé que l'église est entourée par les tueurs. Et puis, les gens quand même, les hommes, les jeunes hommes parmi nous étaient quand même capables de résister, de se défendre. Ils utilisaient des pierres, ils n'avaient rien d'autre. Mais quand même, il y avait un grand portail, une grande porte. Qui fermait la cour de l'église. Donc tout le monde était à l'intérieur, les tueurs étaient dehors. Ils essayaient de les pousser avec les pierres, et puis c'était une grande porte et personne ne pouvait entrer. Mais c'était comme ça quand même. Vers l'après-midi, le 11, il y a eu des voitures qui est venue avec les groupes armés. Les gens avec des hommes armés en uniforme, ils ont commencé à nous dire de s'aligner, de mettre un derrière l'autre. Il y avait des longues, longues lignes. Et puis, ils fouillaient dans nos sacs, ils demandaient si on a de l'argent, ils demandaient qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des armes. On n'avait rien du tout. Les gens commençaient même à mourir de faim. Il n'y avait même pas de l'eau à boire. Mais les gens pensaient que déjà certaines personnes savaient qu'ils vont tirer sur nous tout de suite là sur les lignes qu'ils nous avaient alignées. Les autres peut-être disaient parce que c'était les agents du gouvernement, ils disaient qu'ils vont nous sauver. Mais du coup, ils ont quitté la place. Mais quand ils ont quitté, les tueurs qui étaient dehors tentaient d'entrer. Ils ont entré, ils ont tué certaines personnes. Les autres parmi nous les ont poussés, on les a mis dehors, on a fermé encore la porte. Donc, c'était plus ou moins tranquille ce jour-là vers la soirée. Les gens ont pu dormir cette soirée, mais quand même, on n'avait plus d'espoir. On voyait ce qui est dehors, on était encerclés par les tueurs, on était dans une église, le gouvernement était en train d'aider ces tueurs-là. Honnêtement, dire qu'on va vivre, c'était impossible, presque impossible, si je dirais. Donc, cette fois-ci, c'est le matin, le 12 avril. Je me rappelle, ma mère est venue me réveiller et ma soeur, et nous ont dit d'aller essayer de préparer du thé pour nos deux petites sœurs qui étaient vraiment
qui avait vraiment besoin de quelque chose à boire. Il a dit, il faut aller très tôt le matin, vers comme 5 heures du matin, avant que tout le monde soit réveillé. Et puis, on est dehors là, on est en train d'essayer de faire le feu avec du bois pour essayer de préparer du thé. Et puis, moi et ma soeur, tout le monde dormait par terre, les autres dormaient dans les petites chambres, les autres dans l'église. Les gens étaient partout. Mais nous, on était, je pense qu'on était les deux debout ce matin. Et puis, du coup, nous avons écouté des grandes explosions. Qu'est-ce qui se passait? C'était des grenades qui étaient en train de tomber sur les gens. Parce que l'église était entourée par des longues arbres. Donc, très tôt le matin, ces gens sont venus, ils ont monté, ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur de l'église. Ils ont monté en haut des longues arbres, ils ont commencé à laisser tomber les grenades. Donc, les grenades explosaient sur les gens qui dormaient dans la cour. On voyait les corps partout. Donc, tout le monde se réveille, ceux qui étaient vivants, mais on voyait tous les corps étaient plein, plein dans la cour. Ces gens-là encore essaient de résister, ils vont jeter les coups de pierre aux gens, ces gens ont fui, mais déjà c'était chaos ce matin. Et puis, ça restait comme ça, ils venaient, ils lançaient les grenades, ils tuaient les gens, mais ils ne pouvaient pas vraiment rentrer à l'intérieur de l'église, ils ne pouvaient pas ouvrir le gros portail, donc la grande porte qui était l'entrée de l'église. Mais c'est resté comme ça, les gens résistaient, mais vers l'après-midi, les gens étaient fatigués. Des hommes vraiment forts parmi nous étaient déjà morts, les autres blessés, les autres fatigués, les autres assoiffés, il n'y avait rien à manger, rien à boire. Mais finalement, ces gens-là ont pu casser la porte. Ils ont pu entrer à l'intérieur en grand nombre. Et puis, donc, il n'y avait plus personne pour résister. Il n'y avait rien quoi faire. Ils ont entré à l'église. Ils ont ouvert toutes les ch chambres où les gens sont cachés. Ils ont commencé à tuer les gens. Il y avait une foule de gens. Mais ils ont commencé à tuer un à un, on lançait les grenades, ils utilisaient des machettes, des armes traditionnelles. C'était chaos. On était enfermés dans les chambres. Et puis, il y avait dans la cour de l'église, il y avait un grand réservoir d'eau. Les gens avaient tellement peur, ils ont commencé à se jeter dans le réservoir d'eau parce qu'ils avaient peur d'être tués par les machettes et d'être coupés en morceaux. Je me rappelle quand on est sorti, parce qu'à un certain moment, on a commencé à appeler les noms des familles parce qu'on savait tout le monde qui était là. C'était les voisins, c'était la même région, les gens, tout le monde se connaissait. On a commencé à appeler les gens, les noms des familles. Mon père a été appelé parmi les autres familles. Donc, ils ont quand même appelé les gens qui pensent que peut-être qu'ils peuvent avoir de l'argent sur eux. Ils voulaient tuer les gens, mais sachant que si tu as de l'argent, si tu as quelque chose de valeur, ils vont le prendre avant quand même tuer. Donc, ils ont appelé les noms des familles. Ils ont appelé le nom de mon père. On nous a fait sortir dans la chambre où on était. On nous a demandé d'aller vraiment, c'était comme dans 20 mètres à partir de là où on se cachait. Il y avait une salle de classe, parce qu'il y avait en fait l'église et puis il y avait une école privée qui était là à côté de l'église. Donc, on nous a mis dans une salle de classe à côté. De nos chemins, quand on sortait de la chambre donc la salle de classe, il y avait quand même, c'était horrible parce qu'on tuait les gens dans la cour,
On voyait les gens qui se lançaient dans le réservoir d'eau. Maintenant, le réservoir était plein, les gens ne pouvaient plus se mettre là-bas. Donc, on tuait tout le monde, on les coupait en morceaux avec les machettes, avec les armes traditionnelles. Donc, quand on traversait là-bas, on a vraiment vu des scènes horribles. Et puis, il nous a mis dans la salle avec les autres familles, moi, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et des autres familles sont venues aussi. Et puis, ils ont commencé à demander les gens qui ont de l'argent. Ils ont des gens qui avaient un peu d'argent sur eux. Tu pouvais avoir de l'argent, mais tu n'avais même rien acheté parce qu'il n'y avait rien. Personne ne pouvait sortir. Les gens qui avaient un peu d'argent, ils ont donné. Les gens qui avaient une belle montre, une belle chemise, des bonnes chaussures. Donc, on ramassait tout sur les gens. Les gens qui avaient des bons habits, on les a levés. Après, ils ont dit qu'ils vont tuer tout le monde après avoir ramassé tout ce que les gens avaient. En fait, c'était une stratégie pour enlever, si tu as quelque chose de valeur, pour ne pas mourir avec. Après avoir ramassé tout, ils ont dit, on va vous tuer tous. Ils ont même dit, si vous voulez prier, parce que c'était vraiment la culture religieuse là, ils ont dit, quelqu'un qui veut prier, on vous donne 1 à 2 minutes, vous priez et puis on commence. Donc, on est là, on regarde, même dehors, c'était une classe vitrée. On pouvait voir à travers la fenêtre du haut en bas, on pouvait voir les scènes à l'extérieur, les chats étaient en train d'être tués. On était dans la classe, on regarde, on est prêt. Au moment où certaines personnes prient, comme on avait offert quelque temps pour prier, les autres personnes, et notamment mon père et les autres hommes, étaient en train de négocier avec les tueurs, dit au moins il faut nous tuer avec, au moins il faut tirer sur nous. Parce que les gens avaient peur vraiment, ils avaient souffert beaucoup, ils ne voulaient pas être tués avec, au moins s'il y a moyen de ne pas infliger une douleur extrême. Ils demandaient, est-ce qu'on peut quand même au moins être vous pouvez tirer sur nous au lieu de nous couper en morceaux. Mais les hommes là, ils disaient, et puis ce sont les gens qui se connaissaient. C'est les deux cas, mais c'est les gens de la même région. C'était des amis ou les gens qui travaillent avec mon père, comme le leader qui ordonnait tout. C'était quelqu'un qui travaillait avec mon père. Donc, ils se parlaient comme on parlait entre amis. Le monsieur a dit non, 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 parce que ça serait un gaspillage, parce que ça serait un gaspillage parce que on a les hommes, on a les femmes qui sont disponibles avec leurs armes traditionnelles et puis qui ont la volonté de faire le travail. C'est comme ça qu'il disait, une fois ils voulaient tuer les Tutsis, donc c'est le travail. Ils vont aller travailler. C'était un concept qu'ils avaient créé. Donc, aller tuer un Tutsi, c'est aller travailler, c'est aller faire la job. Ils ont dit, nous avons les gens disponibles et il y a la volonté de faire le travail. Donc, inutile de gaspiller avec les tirs. Ça, c'est refusé tout de suite parce que se tirer là-dessus, c'était comme un luxe à ce moment-là. Parce qu'il y avait beaucoup les gens qui avaient beaucoup d'argent qui pouvaient payer pour qu'on tire là-dessus au lieu de les tuer avec les machettes. En fait, quand vous allez lire beaucoup sur le génocide rwandais, tuer un Tutsi ou tuer les Tutsis, ce n'était pas suffisant. Mais tuer les Tutsis en les infligeant la peine extrême ou la douleur extrême, parce que les gens vraiment avaient beaucoup de haine. Trouver quelqu'un mort là-bas ou tirer sur quelqu'un, ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment les faire souffrir avant de les tuer. C'était comme une politique qui était là. Donc, cette fois-ci, les gens commencent à demander, est-ce que si vous ne pouvez pas tirer sur nous, au moins les grenades qui explosent les gens. Ces tueurs-là disaient non, les grenades, ils vont détruire cette école. Nos enfants vont utiliser cette école pour la continuité de leur éducation. Ça aussi, c'est refusé. Donc, il n'y avait plus d'autres options, sauf demander à tous ces gens qui étaient dehors
de commencer à tuer tout le monde qui était à l'intérieur de la classe. Mais tout ce qu'on faisait, on poussait les gens dehors. On tuait pas les gens à l'intérieur de la classe. On poussait les gens après avoir tout enlevé, les habits, l'argent, les chaussures, tout ce que tu as, on te poussait dehors. Ces gens-là, les foules dehors avec leurs machettes, avec tout ce qu'ils avaient comme armes traditionnelles. Donc, ils pouvaient tout de suite là t'enlever la vie. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé à prendre des familles, les pousser dehors. Et il y avait le monsieur qui était ami à mon père, il est venu. Il tournait autour de nous. Il ne touchait pas personne de ma famille, mais il prenait les gens à côté de nous. On était assis sur un banc, mais il tournait autour de nous. Il prenait les familles. Il y avait même les gens qui résistaient, qui avaient peur de sortir. On les tuait sur place, à côté de nous. Les autres, on les poussait dehors. On a continué comme ça. Du coup, le monsieur est venu, il a pris, il a poussé ma tante qui s'appelait Patricie et son fils. Et puis mon père, parce que c'était vraiment quelqu'un, ils travaillaient beaucoup ensemble, il a dit, ça c'est ma soeur Patricie. Mais le monsieur a répondu, mais elle est déjà morte parce qu'elle avait des blessures ici sur sa poitrine. Je pense qu'il avait eu des éclats de grenade. Mais le monsieur l'a poussé dehors avec son fils. Donc, ces gens-là qui ont regardé tout de suite là à travers les fenêtres, parce que c'était des fenêtres vitrées du haut en bas, on voyait tout ce qui se passait, on te mettait dehors, ces gens venaient t'encercler et puis tout de suite là, t'enlever la vie. Et puis, on reste comme ça, on voit tout, on prend les gens à côté de nous. Et puis, du coup, le monsieur est venu, il a pris, du coup, on continuait quand même à tuer les gens à côté de nous, les gens qu'on connaît, les familles qu'on connaît, les familles qu'on vit ensemble. Mais mon frère, il disait, mon frère qui s'appelait Gilbert, il disait à mon père, moi, j'ai vraiment envie, au moins j'ai envie, il avait comme, je pense, 15 ans. Moi, j'ai envie de manger. Moi, it's OK, ils peuvent venir me tuer, mais j'ai envie de manger avant qu'on me tue. Moi, de l'autre côté, moi, je disais à mon père que je ne vais pas vraiment mourir. J'ai envie de ne pas mourir. J'ai envie de vivre. Tu sais, une adolescente, tu penses que ton père est un héros. Il peut faire n'importe quoi. Il peut être un superman pour changer la situation. Malheureusement, il nous regardait, il pouvait rien faire avec un regard très douloureux. Il pouvait rien faire. Du coup, le monsieur est venu, il a poussé mon frère Gilbert, celui qui demandait la nourriture à mon père. On l'a lancé dehors. Ces gens-là étaient là pour tout de suite là le prendre brutalement et le couper en morceaux. Mon père regardait, ma mère regardait, tout le monde regardait comme devant nous. Le monsieur revient, il prend mon fils, il prend mon frère Germain, le deuxième, il fait la même chose. Il revient, il prend mon frère Jérôme, il prend la même chose aussi. Mes parents regardent, on est là, on attend le tour. Et puis, ils nous laissent un peu tranquilles, ils vont aller dans les autres familles, on commence à les sortir. Et puis, le monsieur vient, il dit à mon père, Étienne, mon père, son prénom était Étienne, il dit, c'est ton tour. Mon père est sorti parce qu'il était connu par tout le monde dehors là. On voyait les cris, on voyait les gens qui criaient, qui l'encerclaient, l'achevaient. On est là, on regarde ma mère, moi, mes sœurs. Ils ont continué à tuer tout le monde jusqu'à ce que la salle était presque vide. On était comme 20 personnes. On attendait qu'on nous dise, tu sortais quand on te poussait dehors, tu ne pouvais pas sortir quand personne ne te disait. Mais ma mère voulait sortir parce qu'elle ne voulait pas peut-être continuer à voir tout ce qui se passait devant elle, elle ne pouvait plus regarder la scène.
Mais elle tentait, il y a un voisin qui le poussait, il dit, assis-toi, il faut attendre ton tour. On est là, on attend, la salle est presque vide, c'est notre tour. Du coup, il y avait, on a encore écouté une explosion dehors. Ces tueurs-là, on nous a raconté après que ils ont pu casser il y avait, je pense, une chambre des prêtres avec qui avaient les trésors à l'intérieur, peut-être de l'argent ou de l'or, d'après ce qu'on nous a raconté. Ils ont pu casser cette chambre et puis on a vu tout le monde courir vers la place pour aller, je pense, partager ces trésors. On est toujours dans la salle et puis on est là, deux personnes entrent. On pense que il vient nous faire sortir pour nous tuer et puis il nous a dit il faut sortir d'ici. Et puis ma mère demandait à un de ces hommes-là, il faut me tuer tout de suite. Moi, je te demande de me tuer, je veux plus voir les enfants que j'ai maintenant. Tue-moi et puis ils vont suivre. Et puis le monsieur, au lieu de nous tuer, il nous dit, vous pouvez. Parce qu'on voyait de l'autre côté ces gens-là crier, en train de se partager ce qu'ils avaient pu découvrir. Et puis, le monsieur a dit, il faut passer, vous pouvez sortir d'ici si vous voulez quitter la place. Ne passe pas dans la route principale, passez derrière cette salle de classe, quitter la place. Ben, on ne sait pas pourquoi il nous disait ça. Peut-être quand tu vas pas mourir, il y a tout le temps quelque chose qui va arriver pour que tu meurs pas si c'est pas ton jour. Et puis on quitte la place doucement, mais les gens sont là, dehors là, quand on est sorti, bah, c'était horrible. On pouvait même pas trouver la place pour mettre ton pied. C'était les corps partout. C'était les corps partout. On les sautait. On les mettait même un sur les autres parce que c'était plein. Parce que, pour vous dire, la place là, on a même un site qui conseille 4 000 personnes seulement. Donc, quand on est sorti là, c'était chaos. Il y avait même les corps qui bougeaient. Il y avait les cris des gens qui respiraient un peu encore. Il y avait une odeur que j'ai jamais sentie. Il y avait les cris des gens. C'était. Tu peux dire que c'est un cauchemar, mais c'était vraiment la réalité. C'était les corps des personnes, des victimes. Donc, on sort de cette place, on quitte, d'après ce que le monsieur nous a dit, on passe derrière la classe, on voit les gens en train de se partager les choses et puis les autres continuer de tuer de l'autre côté. On passe à travers derrière la classe. Ma mère nous a dit d'aller. Il y a une maison qui était proche, vraiment comme pas loin. On est allé, on est entré dans la maison. Ma mère connaissait la famille. La famille était avec nous à l'église, mais elle était aussi tuée. On est entré dans la maison. La maison elle était détruite du côté, mais on a pu entrer. On est resté là. Et puis, jusqu'à ce que ça soit vraiment la nuit, c'est noir. On ne savait pas quoi faire, on ne savait pas où aller, on savait que notre maison a été détruite. On ne pouvait pas, donc c'était inutile. C'est la raison pour laquelle même ma mère disait, moi j'ai envie de mourir parce que ça ne va pas, ça nous amène nulle part. Mais quand même, ma famille avait une petite maison. Dans un centre commercial, tout près de là où on était. C'était une petite maison qu'on louait. On ne vivait pas dans la maison, mais on louait la maison. Ma mère a dit, on peut peut-être tenter d'aller voir si on peut dormir là-bas. Donc, on attend que ça soit noir. On va dans cette maison. Quand on arrive, il y avait deux hommes, les deux hommes qui louaient la maison. Ils étaient là, ils étaient tout petits, ils se cachaient. Il nous a dit d'une minute à l'autre, ils veulent venir ici parce qu'ils viennent nous chercher à chaque instant. Nous pourrons mourir d'une seconde à l'autre, mais on vient ici pour chercher de l'eau à boire, on reste dehors. Ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont donné un peu quelque chose à manger.
Et puis, eux, ils nous ont laissés là-bas, ils ont sorti parce qu'ils ne pouvaient pas dormir dans la maison. On les cherchait aussi. Mais nous, on était fatigués, on ne pouvait même pas à peine marcher. On a dormi. Jusqu'au matin, tranquillement, on s'est réveillé le matin. On se retrouve là-bas. Vers l'après-midi, les deux hommes armés avec un uniforme, ils viennent chercher les deux hommes qui louaient la maison. Ils nous trouvent dans la maison. Ils étaient surpris de nous voir. Ils disent, où est-ce que vous venez? Ma mère a commencé à raconter des histoires. On était à l'église hier. On est survécu. On est venu ici. Ben, c'était bizarre quand même. Les messieurs disaient, ils pensaient que personne n'est survécu à l'église parce qu'ils étaient là. Ils étaient en train d'aider. L'un a pris ma mère. Il l'a poussée par terre. Il a commencé à frapper son dos avec un fusil. Moi, je pense qu'il va tirer sur elle ou la tuer parce qu'il a frappé dans son dos, dans sa tête. Ma soeur, avec mes deux autres soeurs, ils étaient cachés sous le lit. Et puis moi, ils m'ont trouvé avec ma mère. Ils ont comme un a pris ma mère, commencé à frapper ma mère. L'autre m'a pris, il m'a poussé sur le mur. Il m'a dit. Donc je vais entrer mes deux doigts dans ton nez. Si ça entre, tu ne vas pas mourir. Si ça n'entre pas, tu vas. Donc si ça entre, tu ne vas pas mourir. Si ça n'entre pas, donc tu vas être là. Donc pour vous donner un peu de contexte, donc le nez, donc c'est comme une caractéristique physique des Tutsis, un petit nez un peu pointu. C'est vraiment des constructions sociales qui n'ont pas vraiment de base biologique. Parce que tu peux trouver un Tutsi qui a un nez pointu, un Hutu qui a un nez pointu, tu peux trouver un Tutsi qui a un gros nez. C'était des choses qui sont comme ça, mais encore, on avait les cartes d'identité avec la mention Tutsi que le gouvernement avait instaurée pour justement distinguer la population pour exterminer les gens facilement parce qu'il y avait les cartes d'identité avec la mention si tu es Tutsi ou Hutu. Mais ça, c'était comme quoi les Tutsis ont les nez pointus, petits, et les Hutus ont les nez gros. C'était comme ça. Donc, le monsieur là, il savait que c'est impossible. C'était un gros monsieur, très géant. Moi, j'étais très petite à ce moment. Donc, lui, il disait, si ça entre, il savait que ça ne peut pas entrer. Si ça entre, je te laisse tranquille. Si ça n'entrait pas, je te tue. Donc, c'était comme ça le deal. Il a commencé à frapper ma tête sur le mur parce que j'étais vraiment attachée sur le mur. Essayer de mettre ses gros doigts à l'intérieur de mon nez et puis frapper ma tête, cogner ma tête sur le mur. J'ai commencé à pleurer, les larmes sur mes joues. Et puis. Parce qu'il enfonçait trop fort, j'ai commencé à avoir du sang qui sortait dans mon nez. Mais du coup, je ne sais pas si, je ne me rappelle pas honnêtement si ses doigts sont pu entrer dans mon nez, mais du coup, il m'a poussé, il m'a dit, il a dit avec le gars qui était en train de tuer ma mère, il a dit, on vous laisse, on va appeler, restez ici, ne quittez pas. On va appeler ces gens-là. Donc, c'était les groupes du gouvernement qui étaient armés. Donc, il dit, ils vont aller appeler ces tueurs-là, les citoyens, les populations qui commettaient les génocides avec leurs machettes. Il dit, restez ici, on les appelle. Donc, on voyait même les gens à travers les fenêtres, c'est question de sortir, de dire aux gens d'entrer chez nous, venir tuer les gens qui étaient à l'intérieur. Quand ils ont sorti, ma mère a dit, moi et ma sœur, et mes petites sœurs de sortir tout de suite. Il a dit, il faut aller. Il nous a dit le nom de la femme, une autre femme qui était mariée, qui avait un partenaire Hutu, le Hutu qui était aussi activement impliqué dans les massacres, dans les génocides. Il a dit, il faut tenter d'aller là-bas parce qu'elle pensait que le monsieur est en train de protéger sa partenaire. Donc, on a quitté tout de suite la maison, mais on pensait que ma mère va quand même être tuée dans une minute à l'autre parce que les gens aller venir la chercher. On a quitté la maison, on a pris un raccourci, un petit raccourci vraiment là où il n'y a pas beaucoup de gens. Dans nos chemins vers la femme,
On a vu les deux corps là, des hommes là qui louaient notre maison. On les avait trouvés, on les avait tués, on les a trouvés dans la rue, on traversait. On continue, on arrive chez la madame, elle s'appelait Pudancienne. On arrive là-bas, sain et sauf. Pendant la soirée, par miracle, ma mère nous retrouve là-bas avec mes soeurs. On reste là-bas. C'était vraiment maintenant, je pense que c'était le 13, la nuit. La madame nous a reçus et nous a cachés sous le lit. Elle a dit, restez là-bas, ne parlez pas, personne ne doit savoir que vous êtes là. Même mon partenaire ne doit jamais savoir que vous êtes là. Donc, restez là-bas, ne parlez pas, ne bougez pas, ne sortez pas. Donc, on a resté là, c'était le 13 et jusqu'au 20 avril. Le matin où le matin ma mère est sortie parce que chaque soirée je sais pas ma mère sortait dehors et elle trouvait de l'eau dans un petit conteneur et l'amenait et le donnait chaque personne sur la cuillère parce que chez nous y a pas on n'avait pas de l'eau dans les maisons donc on allait chercher de l'eau un peu loin mais parce que personne ne pouvait sortir donc il y avait même pas de l'eau à boire il y avait rien à manger. On était sous le lit tous les jours là, mais vers la soirée, ma mère, je ne sais pas où, elle trouvait un peu de l'eau. Elle amenait de l'eau et puis donnait chaque personne sur la cuillère. On était vivant comme ça. Donc, le 20 avril le matin, très tôt le matin, ma mère était debout. Elle a vu deux hommes qui entraient dans la maison. Il a dit, est-ce que vous allez bien? Ma mère savait que ces menaces, cette fois-ci, c'est fini si ils peuvent nous retrouver là-bas. Donc, les messieurs ont dit, on vient ici vous chercher, on ne va pas vous tuer, on vient vous sauver la vie. Et nous fait sortir les gens qui étaient vivants, parce qu'il y avait même les gens qui étaient déjà morts de faim ou de mauvaise vie là, tout le monde traversait. Donc, on nous met dehors. On nous transporte, on nous donne de l'eau à boire. Il se présente, il dit, on vient vous chercher, on vient vous tuer, on est là pour sauver vos vies. En fait, c'était les groupes armés qui combattaient, le groupe du FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui avaient pu chasser les groupes armés du gouvernement et les tueurs et tout le monde qui commettait les génocides. Donc, ils ont pu les chasser, ils avaient pu accaparer la région. Donc là, j'étais plus ou moins dans les mains de ces personnes. Donc, ils avaient construit déjà, ils avaient aménagé un camp de réfugiés. Les gens qu'ils trouvaient vivants, ils amenaient là-bas. Donc, ils nous ont conduits là-bas. C'est comme ça qu'on a survécu. On a resté là-bas comme 3 mois. Parce que comme je vous ai dit en commençant, on était dans l'est du pays, là où ces gens venaient de l'Est. Donc, ils sont venus nous chercher, nous sauver la vie dans quelques jours. Donc, le génocide a commencé le 7, maintenant c'était le 20. Mais le génocide a continué jusqu'au mois de juillet dans les autres régions du pays. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il y a plus d'un million de victimes. Donc, les gens ont traversé tout ce qu'on traversait depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Donc, on a resté dans le camp de réfugiés pendant 3 mois jusqu'à ce que la région était plus ou moins safe, était plus ou moins sécuritaire. On est retourné dans notre région. On a commencé la vie doucement avec beaucoup de traumatismes. Donc, je pense que je vous ai parlé très longtemps, mais brièvement, c'est comme ça qu'on a survécu le génocide des Tutsis. Et puis, bon, nous voilà 28 ans. Après, on est là pour raconter l'histoire. Je vais terminer ici. Peut-être on va pouvoir du temps, si je n'ai pas pris trop de temps, pour s'il y a plus des choses que vous voulez que j'éclaire ou des questions. Sinon, je m'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir prêté l'oreille. Merci beaucoup. Géraldine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas le bon mot dans ce cas hein, pour avoir partagé ça, mais il n'y a pas d'autres mots, mais quand même.
de raconter ça, c'est un peu comme aller dans une machine de temps. Donc, merci. Merci, c'est pas un bon mot. Si je peux demander une question délicate, personnelle, vous avez dit que dès que vous étiez petite fille dans la classe, cet élément de division ethnique, est-ce que c'est donc cette haine était une politique officielle des enseignants ou c'était un sentiment populaire qui était encouragé ou non arrêté par les enseignants, par les systèmes. Donc, si je peux expliquer bien mon question, est-ce que donc les instants quand on a dit que ok les Tutsis, levez-vous, c'était une idée qui est venue des profs personnellement ou c'était une politique officielle de gouvernement? Ça, c'est une belle question. Moi, je dirais que c'était une politique du gouvernement de semer la haine, donc de monter la population Hutu contre la population Tutsi. Ce n'était pas officiel dans les années auparavant. Ce n'était pas écrit nulle part, mais c'était une volonté vraiment de semer la haine contre les Tutsis. Parce qu'il y avait les Hutus qui ne pouvaient pas faire ça. Parce que tout le monde ne prend pas les choses de la même manière. Mon père était enseignant, donc il y a les enseignants Tutsis ne pouvaient pas faire ça. Parce que c'était la discrimination, c'était la ségrégation. Les enseignants Tutsis ne pouvaient pas faire ça pour te dire que ce n'était pas vraiment très officiel. Mais il y avait quand même une politique de haine. Les Hutus extrémistes, les Hutus qui adhéraient à l'idéologie de haine du gouvernement, ils adhéraient ça et puis ils pratiquaient ça de temps en temps dans leurs écoles. Parce que moi, j'ai fait l'école primaire, mais ce n'est pas dans toutes les classes que j'ai subi tout ça. Et puis, j'ai jamais eu un enseignant Tutsi. Donc, tous les enseignants étaient Hutus. Parce que c'était une grande majorité, 95% de la population était Hutu. Donc, moi, je n'ai jamais eu un enseignant Tutsi, mais encore, ce ne sont pas tous les Hutus qui m'ont menacé. Bon, pour te dire que les gens prennent l'idéologie différemment, il y a des gens qui vont être contre, il y a des gens qui vont adhérer facilement, et puis il y a des gens qui vont adhérer avec le temps. On continue en cliquant dans nos cerveaux la haine. À la fin de la journée, tu vas finir par haïr ton ami ou ton collègue. Ça peut prendre du temps, ça peut différer des gens parce que les gens ne vont pas tous assimiler facilement. Il y a les gens qui vont critiquer l'idéologie, il y a les autres qui vont adhérer facilement. Donc, je pense que c'est le jugement des gens. Mais puisque ça a pris du temps, et puis les Africains, nous, on a la culture quand même d'obéir, l'obéissance aux autorités. Ça, c'est presque commun en Afrique. C'est là qu'on va voir dans les pays africains où la population est contre le gouvernement. Donc, chez nous, ça a été facile parce que le gouvernement était impliqué. Il fournissait des efforts pour monter la haine de la population contre les Tutsis. Donc, ça, vraiment, c'est ça que je peux répondre. Au fil des années, ça a été plus ou moins généralisé. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pu souvenir. Mais avant, c'était quand même un peu discret, c'était pas très officiel. Et puis, tout le monde ne prenait pas ça de la même manière. Il y avait quand même un esprit de jugement de certains. Il y avait d'autres qui adhéraient facilement. Mais moi, je vous dirais qu'au fil des années, ça a été comme généralisé.
Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. En fait, quand on compare avec le génocide, avec le Holocauste, il y avait plusieurs accusations qu'on adressait aux Juifs, aussi farfelues les unes que les autres, qui pouvaient trouver leurs racines même dans une justification même religieuse. Raciale, économique, etc. Les Tutsis au Rwanda, au moment du génocide, étaient accusés de quoi par la majorité dominante ou par le système qui gouvernait. Je ne sais pas si vous pouvez donner deux, trois exemples importants ou dominants dans la liste, certainement des accusations qu'on adressait aux Tutsis et qu'on utilisait pour justifier le génocide. Merci. Merci également, une très belle question. Ah, ça, c'est, on doit rentrer dans l'histoire. Je suis pas très. Je vais vraiment te dire tout ce que je connais. D'après aussi ce qu'on nous a expliqué, il y a le contexte politique qu'on a expliqué avant qui peut expliquer, qui peut vraiment donner des exemples de ce qui s'est passé avant, comme 4 décennies avant que le génocide se produise. Parce qu'il y avait aussi. La période coloniale qui a renforcé tout ça. Ça, c'est le premier élément. Mais il y avait le. Donc, il y avait au Rwanda, avant la République, il y avait le royaume. Les rois étaient choisis parmi le peuple Tutsi. Ça, c'est la colonisation qui a fait ça. Quand les colonisations, les Allemands et les Belges qui ont colonisé le Rwanda sont venus au Rwanda, je ne sais pas vraiment c'est quoi les critères pour mettre un roi en place, mais ils étaient les peu de rois que le Rwanda a connus étaient choisis parmi le peuple Tutsi. Quand il y a eu l'abolition du royaume, il y a eu la République. La première république est venue parce qu'il y avait l'abolition du royaume et puis le royaume de Tutsi. Déjà, le premier président rwandais, donc il disait en 62, 61, on a commencé à tuer les Tutsis parce qu'on les avait du pouvoir du royaume. Et puis les gens-là ont commencé à fuir le pays. Les gens qui ont survécu les massacres de 61, 60, quand on a aboli le royaume, ils se sont réfugiés dehors. Même le président, notre président au Rwanda aujourd'hui, Monsieur Kagame, et leurs parents ont quitté le pays dans ces périodes. Beaucoup de Tutsis ont été tués dans la même période, mais d'autres ont pu survivre et puis se sont réfugiés dans les pays limitrophes, Rwanda, Burundi, Congo, Zaïre, Tanzanie, en grande majorité Ouganda. Donc ça, c'est l'origine de la haine avec l'abolition du royaume qu'on disait des Tutsis. La Première République vient après avoir aboli le royaume des Tutsis. Donc la haine commence dans les années 60. On abolit les Tutsis, on les tue, on les met dehors pour qu'on ne va plus avoir le régime des rois. Ça commence, les Hutus ont pris la Première République, la Deuxième, la Troisième, tous, ils avaient quelque chose de commun, donc haïr les Tutsis, s'aimer la haine contre les Tutsis. Les tuer même, 63, on a tué les Tutsis. Moi, je connais les membres de ma famille qui ont été tués, les grands-pères dans les années 63, les 75, on a tué beaucoup de Tutsis, surtout dans la région du nord du pays. Et puis, il y avait la discrimination. Tu peux compter sur le doigt les enfants Tutsis qui allaient dans les écoles publiques. Ils allaient dans les écoles privées parce que les écoles publiques, tu ne pouvais pas entrer. Il y avait la discrimination totale. Donc, il y avait cette haine au cours de ces décennies jusqu'à 1990 où j'ai dit que les gens qui étaient dehors, qui vivaient dans les camps de réfugiés, dans les pays limitrophes, se sont organisés pour entrer dans leur pays. Parce qu'ils vivaient comme les réfugiés dehors. Ils se sont entrés par force pour combattre le gouvernement qui les empêchait de retrouver leur pays. Dès là, comme j'ai expliqué,
les Tutsis qui vivaient à l'intérieur du pays, ils étaient vus comme les ennemis, les complices, les gens qui... Donc, leurs proches viennent à l'extérieur du pays, ils commencent à menacer le pays. Donc, la haine s'est aggravée. Quand on tuait les Tutsis à l'intérieur, donc on disait, on tue nos ennemis, on tue les Sherpas, on tue les gens dont les proches sont en train de combattre le gouvernement rwandais. On accusait même les Tutsis d'avoir battu l'avion du président alors que ce n'est pas prouvé nulle part, si vous suivez les nouvelles. Jusqu'à présent, les Français ont conservé la boîte noire là qui montre qui a tiré sur l'avion. Les enquêtes ont échoué, personne ne sait. Les Français, c'est eux qui détiennent cet élément qui peut être l'objet d'enquête. Donc, c'est ça vraiment en bref, pourquoi les Tutsis étaient vus comme les ennemis. Pourquoi on arrivait jusqu'à ce qu'on les tue. Même les bébés, je n'ai pas eu le temps de vous parler comment on tuait les bébés, même les bébés de quelques mois en les frappant sur les murs. Même les mamans qui étaient à l'hôpital, même les mamans qui étaient enceintes. Donc, on disait, même, donc, on tuait tout le monde. On avait créé une haine extrême, donc, pour ne pas même épargner un bébé. Pour te dire combien. Donc, moi, j'ai vu un génocide, c'est quelque chose de spécial où les gens doivent avoir. Je ne sais pas comment on peut dire, donc ce lavage de cerveau. Donc, tu sais, tu as une haine extrême. Tu vois la personne, le Tutsi n'était pas comme un humain. Il était vu comme un serpent, comme si tu vois un serpent dans la culture rwandaise, africaine, un ennemi dangereux qui peut te tuer toi-même. Donc, tu dois le tuer avant pour sauver ta vie. Donc, c'était comme ça. Et puis, il y avait la politique. Et puis, il y avait les leaders politiques. Vous savez comment les Africains sont vraiment. Donc, on adhère avec l'idéologie politique. Les leaders, on respecte ce que nos leaders disent. Et puis, il y avait beaucoup de facteurs. Il y avait aussi les chômages, il y avait la pauvreté. Aller dire à un Hutu qui ne mange pas, qui n'a pas de travail, aller tuer la famille, tu prends tout, tu prends leur voiture, la maison, tout ce qu'ils possèdent. Il y avait beaucoup, beaucoup de facteurs pour que le génocide soit vraiment une bonne réussite, d'après moi je dis que c'est, ils ont bien réussi. Et en pourcentage, on parle de combien pourcent de la population Tutsi au Rwanda qui a été exterminée? Les chiffres, on dit aujourd'hui, on ne sait pas, on ne peut pas dire c'est autant, mais on parle de plus d'un million parce qu'on a les corps, on a 1 million de corps qu'on peut les compter. La photo qu'on a mis, avant de commencer, comme je vous ai dit, si tu voyages au Rwanda, tu vas aller visiter les sites mémoriels, tu vas voir. Il y a des gens qui ont été jetés dans les rivières, il y a des gens qui ont été dans les fosses communes, il y avait des gens qui ont été dans les lacs, il y a des gens qui ont été brûlés, il y a des gens qui ont... Donc, il y a beaucoup de corps qu'on ne peut pas compter. Mais tout ce qu'on peut compter, on parle de plus d'un million aujourd'hui. Mais on ne connaît pas Donc, exactement. un million sur une population qui avait un effectif de combien au total, peut-être avant le génocide, Parce ou bien. qu'on était Rwanda, je pense qu'avant, on comptait je pense, 9 millions de population. Et puis, la population Tutsi était une très petite minorité. Je dirais, on pensait comme 3-4% de la population. Donc c'est 10 millions de Rwandais ou c'est 10 millions de Tutsis? Le Rwandais. À 10 millions de Rwandais, sur les 10 millions de Rwandais, 4% étaient Tutsis. C'était comme, je dirais, 3-4. Okay. 3-4%. Donc en fait, la majorité des Tutsis ont été exterminés pendant les génocides et les survivants d'aujourd'hui, c'est en fait une minorité. Oh my God. Je ne sais même pas si on peut dire une minorité. Non, c'est une très petite minorité.
Mais encore, comme je dis, si tu vas au Rwanda, tu peux rencontrer les Tutsis. Je ne sais pas aujourd'hui combien, parce qu'on n'a plus les mentions ethniques, on ne parle plus même des ethnies, on essaie on est Rwandais aujourd'hui. C'est ça la politique actuelle. Donc, on ne va plus compter les Tutsis qui vivent au Rwanda, parce que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Parce que la mention nous a conduit au génocide. Aujourd'hui, ce n'est pas important de dire je suis Tutsi, je suis Hutu, ça n'a aucune importance. La politique du pays, c'est dire on est Rwandais. C'est ça qu'on est en train d'enseigner. Et puis, on est vraiment Rwandais parce que les Tutsis, c'était des constructions sociales. C'était un peuple uni, c'était un peuple qui a vécu plusieurs années ensemble. Les Hutus et les Tutsis ont toujours vécu ensemble. On a la même culture, on a la même mode de vie, la même culture, la même langue, le même petit pays. Donc, honnêtement, ce sont les divisions politiques qui sont venues et puis diviser les gens. Sinon, les gens il n'y a aucune différence dans la population. Il fallait qu'il y ait les politiques avec des mauvaises intentions pour venir avec les intérêts, diviser les gens, semer la haine contre les autres. Exterminer une partie de la population pour des raisons politiques. Merci beaucoup. Mona, j'imagine que, désolé, j'avais manqué. Est-ce que il y a une question, Mona? Il y avait une main levée? Oui, Eugène? Oui. C'est Asma. Ah, Asma, c'était. Désolé, j'avais pensé que. Non, c'est Asma. Asma, ok, question. Alors, ce n'est pas une question, mais bon, d'abord, je vous remercie, Madame, infiniment, amplement pour votre présence, pour votre témoignage. Vraiment, ce n'est pas facile et c'est très touchant. J'ai écouté attentivement votre histoire et vraiment, ça m'a trop touchée. Ce n'est pas facile, vraiment, ce n'est pas facile. Si je vous demande de conclure votre histoire dans un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez un reproche ou est-ce que vous avez reproche ou bien à qui vous pouvez adresser reproche que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant votre histoire, concernant cela? Vous avez commencé votre histoire par une très belle phrase lorsque vous avez dit que on a besoin d'écouter les histoires des gens qui ont déjà vécu cela parce que chacun a un intérêt pour modifier, pour raconter, pour dire des blabla. Mais lorsqu'on nous entendons un témoin et qui nous raconte ce qu'il a déjà vécu et ce qui est réel, donc ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce cas-là? Que pouvez-vous dire à quelqu'un ou bien vraiment, j'ai perdu les mots. Vraiment, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Merci. Oui, merci pour la question ou un commentaire. Moi, je dirais que pour reproche, vraiment, dans cette situation, moi, je pense que reprocher quelqu'un, des choses sont passées. On ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas aller en arrière pour changer l'histoire. Donc, on ne peut rien faire aujourd'hui pour ce qui s'est passé. Donc, moi, j'essaie. Donc, on va vivre ça. C'est une histoire. C'est ancré dans notre histoire qui ne va pas être changée jusqu'à la fin de nos jours. Ce sont des faits. Mais quand même, c'est par exemple tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler de ce qui s'est passé. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. On ne veut pas que. Aujourd'hui, je suis une maman. Dans le temps, je voyais ça, je voyais ce que ma mère voyait, observer ses enfants être massacrés, son mari être massacré, tout le monde. Aujourd'hui, si j'ai. Dans le temps, je voyais qu'elle souffrait, mais je ne savais pas ce qu'elle traversait. Aujourd'hui, je suis une mère, j'ai des enfants. J'ai envie que mes enfants ne vivent jamais ce que j'ai vu, ou ce que leurs oncles, ce que leurs grands-pères, ou ce que les autres enfants de leur âge ont vécu. Donc, j'ai envie qu'au moins,
un monde meilleur par rapport à ce que nous avons traversé. Si je peux faire quelque chose, une petite contribution pour faire la paix, pour créer un monde meilleur pour mes enfants, pour l'environnement, la communauté, je peux le faire. Si je peux parler de ce que j'ai vu, peut-être pour que les choses ne se reproduisent plus, je peux le faire. Je pense que tout le monde, comme les gens ici qui nous ont invités, comme vous qui sont intéressés avec les études sur le génocide, soit les génocides des Tutsis, des Juifs, les autres massacres, les injustices qui se passent dans le monde. Moi, je pense qu'on a un objectif commun pour faire mieux, pour faire meilleur, pour faire la paix, pour vivre bien, même si parce que moi, j'ai l'objectif de... Parce que je me dis, si j'étais avec mes frères, si j'étais avec mon père, si j'étais avec parmi les 4 000 personnes qui ont perdu la vie là où j'étais, et puis je me retrouve vivante, j'étais dans les mêmes conditions que les autres, j'ai rien fait, j'ai rien payé, donc je me dis, peut-être qu'il y a une raison pour que je laisse pas ma vie perdre comme ça. Donc j'ai l'objectif de vivre ma vie jusqu'à la fin de mes jours, même si j'ai le traumatisme, même si j'ai les mémoires, mais je me dis, je dois vivre ma vie, je dois aider mes enfants, je dois poursuivre mes rêves, parce que sinon, je vais mourir alors que je suis vivante. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le traumatisme, qui n'ont pas pu avancer dans la vie, qui n'ont pas pu aller à l'école, les mamans qui sont même mortes après, à cause du chagrin, à cause des maladies qui viennent, à cause de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu. Mais encore une fois, si peut-être j'ai le courage de vivre, d'avoir des enfants, de les élever, d'être un bon citoyen, de faire du mieux, de donner ma petite contribution pour que le monde soit un peu meilleur, je le ferai. Voilà. Oui, vraiment, vous avez beaucoup de chance et vous avez une bonne personnalité et plein d'amour et d'humanité. Vraiment, un coup de chapeau. Merci, toi aussi, on le partage. Oui, oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Je peux imaginer tout ce que tu as vécu dans ta vie. Si tu as tes frères, tes proches, on est tous frères et sœurs. On t'écoute pas très bien, je pense. On t'écoute pas très bien. Je pense que vous avez un problème de son. Règle son micro. Attends, je vais fixer les caméras. Peut-être que ça sera mieux si ça va marcher. Attends. Vous m'entendez maintenant? Non. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, pas encore, petit Sam. On n'entend pas, petit Sam. Si tu peux peut-être écrire par message dans le chat. Et entre-temps, il y a Mona qui a levé sa main.
Je note juste que Petit Sam est enceinte, elle est à son sixième mois, je pense. Donc, je pense que votre histoire l'a beaucoup touchée, surtout la partie qui concerne les bébés et les femmes enceintes. Oui. Ouais. Marzouk, peut-être soit tu tapes, soit tu peux couper et puis entrer encore. Déconnecter puis te reconnecter. Je Déconnecter peux encore. te déconnecter pour reconnecter. Entre-temps, on passe à Mouna parce que j'ai. Voilà, Mouna, sa main est levée. Ouvre ton micro, s'il te plaît, Mouna. Et là, vous m'entendez? Très bien. On te voit et on t'entend. Super, désolée, je suis à l'extérieur, je n'avais pas moyen de me connecter à la maison. Je voudrais remercier votre invité pour son intervention qui était vraiment très, très touchante, très bouleversante. Toutes les histoires de génocide, quelque part, se ressemblent, je suppose, un peu. Je connaissais un peu l'histoire du génocide rwandais. Mais par sensibilité, j'évitais souvent d'aller voir des images, des témoignages parce que ça me bouleversait, ça me faisait vraiment, vraiment mal au cœur. Et ça fait quelque chose d'entendre vraiment un survivant du génocide. Moi, ma question, elle tourne autour de la reconstruction psychologique et sociale. Vous avez dit qu'actuellement, au Rwanda, tout ce qui compte, c'est d'être rwandais. Mais est-ce que voilà, est-ce que la réconciliation, elle s'est faite uniquement par le silence? Donc, on est tous Hutus et Rwandais de nouveau réunis. On fait comme si de rien ne s'était passé. Est-ce que la réconciliation, la reconstruction s'est faite par la foi? Parce que je sais que les Rwandais sont des gens quand même très, très croyants, vous l'avez vous-même souligné pendant votre témoignage. Ou alors la reconstruction s'est aussi faite auprès de spécialistes, de médecins, de psychiatres. Même si, comme on sait, ça reste quand même une population assez pauvre et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire soigner par un médecin. Donc, j'aimerais avoir votre témoignage à ce propos concernant les Tutsis qui sont vraiment restés au Rwanda, qui n'ont pas quitté le pays après le génocide. Sur quel volet s'est faite la reconstruction? Merci. Oh, merci pour la complexe, la question. Elle est vraiment complexe. Pour te dire, la réconciliation, la reconstruction, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui peut prendre même des générations et des générations. Mais aujourd'hui, si tu suis l'histoire du Rwanda aujourd'hui dans les actualités, tu vois que c'est un pays comme les autres. C'est un pays qui fonctionne. C'est un pays qui est en sécurité. Si tu vas là-bas, à moins que tu saches l'histoire ou ce que tu vois, les sites partout, mais tu vas rien savoir. C'est un beau pays, c'est un pays propre, c'est un pays qui développe comme les autres. Donc, tu vas pas tout de suite voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est un aspect qui va te dire que la population quand même évolue doucement. Même si dans les cœurs des gens, ils peuvent avoir beaucoup de choses, mais si les gens peuvent rester dans le même pays, les Hutus, les survivants qui ont. Les survivants des génocides, les Tutsis qui vivaient à l'extérieur du pays, maintenant qui vivent dans le pays, les Tutsis qui sont rentrés, il n'y a pas un Tutsi qui vit à l'extérieur du pays, à moins que tu veux rester comme je suis au Canada, mais je vais au pays de temps en temps. Mais tu peux vivre au Rwanda si tu es un Hutu, si tu es un Tutsi. Donc ça, c'est un aspect qui peut te dire qu'il y a quand même un niveau de réconciliation ou de reconstruction qui peut être en cours, peu importe le niveau où il est, mais il est là au moins. C'est un processus qui est là, qui va prendre le temps qu'il veut, mais qui est là. Pour te dire, quand le génocide a terminé, parce que le génocide rwandais, vraiment, je ne vais pas dire le génocide rwandais parce que ce n'est pas le génocide rwandais, c'est le génocide des Tutsis, parce que ce n'est pas tous les Rwandais qui étaient visés à ce moment, parce que c'est vraiment spécial ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que les autres génocides, tu vois, les Allemands tuer les Juifs, c'est rare que tu trouves un peuple qui se monte à un autre pour l'exterminer, la même population. Parce qu'au Rwanda, c'est ça la douleur, en fait, la spécificité du génocide, parce que non seulement les gens ont été tués, mais les gens encore ont été tués par leurs voisins, leurs collègues,
leurs enseignants, leurs amis, je te disais, les gens qui tuaient ma famille, c'est les gens que j'appelais même dans les noms. Les gens avec qui j'allais à l'école et les enfants. Je rappelle, vous savez, la culture africaine, quand la fille va être mariée, l'homme ancien dont je vous parlais, qui tuait, qui appelait nos parents, nos frères, c'est mon père qui allait donner la main de sa fille. Je vais vous dire un exemple pour vous montrer les liens sociaux entre les Rwandais, peu importe les Hutus, les Tutsis étaient là. Donc, mon père allait dans le mariage, c'est lui qui va donner la main de la fille de l'autre monsieur. Donc, les liens sociaux étaient vraiment solides. Il a dû qu'il y ait l'aspect politique, les leaders politiques avec la mauvaise intention, vraiment de diviser le peuple, de monter la haine contre les Tutsis pour pouvoir commettre un génocide. Donc, je voudrais vous dire que la reconstruction c'est vraiment difficile parce que le génocide des Tutsis c'est vraiment perpétré au sein du tissu social. Non seulement les gens, beaucoup de gens sont morts, mais il y a aussi la destruction totale de la société. Ou tué par un voisin, ou il y a même les hommes qui tuaient leurs femmes parce qu'ils sont Tutsis. Il y a même eu des cas des mamans qui pouvaient tuer leurs enfants parce que peut-être ils ont eu, ce sont des mamans Hutu qui ont des enfants avec les papas Tutsis. Donc il dit, parce que tellement la haine était complètement dans les têtes des gens, il dit, les Tutsis, on les tue. Moi, je ne peux pas élever des enfants Tutsis. Il y a peu de cas qui sont comme ça. Pour te dire que la reconstruction, ce n'est pas quelque chose qui va venir demain ou après-demain, ou ça va prendre du temps que ça doit prendre. Mais ce qui est important aujourd'hui, les gens vivent ensemble. Moi, je peux vivre avec mes traumatismes, mais je ne vais pas aller violer mon voisin. Je vais respecter, parce qu'aujourd'hui, il y a le pouvoir politique qui soutient la cohésion sociale, la vie d'ensemble. Il n'y a plus de mention de Tutsis, de Hutus. Tu fais un examen, tu réussis, tu vas à l'école sans toutefois dire tu es un Tutsi ou tu es un Hutu comme c'était avant. Donc, parce que le génocide a été fait à cause de la mauvaise politique, donc la reconstruction va arriver à cause de la bonne politique cette fois-ci. Si on continue dans la bonne voie, on va voir le génocide des Tutsis comme l'histoire, mais on ne va plus avoir les mêmes problèmes. Si on va avoir la mauvaise politique, les choses peuvent revenir d'une minute à l'autre. Mais aujourd'hui, le pays est stable, le pays est tranquille, le pays se développe à cause de la volonté politique. C'est ce que je peux dire. Mais sinon, la reconstruction du pays s'est généralisée, mais la reconstruction individuelle, ça va se faire individuellement. Moi, je vais évoluer de façon dont je m'évolue. L'autre va prendre son temps, les autres ont évolué, il y a les autres qui sont en arrière. Et si, il y a aussi le facteur socio-économique. Il y a les gens, par exemple, les gens qui vivent dans la pauvreté. Par exemple, une maman, moi j'ai une maman que j'aide, une maman qui a perdu tous les enfants et puis qui n'a rien, qui ne travaille pas, qui est pauvre, mais qui a eu la chance de survivre, mais qui vit dans la pauvreté totale. Cette personne-là, elle va pas guérir. Au lieu de vivre une belle vie, elle n'a rien à manger, elle n'a rien à boire, elle n'a pas de maison. Tu vois, ça, tu ne vas pas dire la reconstruction alors qu'elle a le chagrin de ce qu'il a perdu tous les enfants. Il avait 6 enfants, il n'a aucun, il n'a pas de mari. Et pire encore, il vit dans la pauvreté totale, il mange rarement. Tu vois, ça, ce sont des facteurs qui vont contribuer à ce que toi, tu évolues, l'autre n'évolue pas. Toi, tu construis ta vie, l'autre reste dans la détérioration totale. Donc, il y a trop de facteurs quand il s'agit d'un génocide, quand il s'agit de la reconstruction sociale ou économique ou sécuritaire. Il y a tous les aspects qui entrent en jeu pour que tu te sens au moins. Si moi, j'ai quelque chose à nourrir mes enfants, mes enfants sont bien et puis ils sont en sécurité financière, je suis bien financièrement, économiquement, socialement, et puis je suis en sécurité, personne ne me menace, donc j'ai la chance de guérir de ce que j'ai vu,
j'ai la chance d'évoluer, j'ai la chance d'aller à l'école, j'ai la chance de trouver un job et de le faire, même si j'ai ces traumatismes. Tu vois, donc la reconstruction du pays, en général, ça se fait avec la volonté politique, mais la reconstruction individuelle, ça varie d'une personne à l'autre, dépendamment de ce que tu, dans les conditions, soit économiques, sociales, sécurité dans lesquelles tu vis. C'est ce que je peux dire. Encore, merci, merci pour cette encore perspective. Marzuki, tu veux essayer encore une fois? Marzuki? Yes. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez, non? Oui, oui, peut-être, oui. Je pense que tu as un problème de réseau, tu peux changer la place. Non, 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 le Wi-Fi, j'ai une couverture de Wi-Fi suffisante. J'ai une couverture de Wi-Fi suffisante. J'ai pas si le sang, mais je sais pas pourquoi. Vous m'entendez, non? Oh my God. Vous m'entendez maintenant, non? Tu peux écrire ta question dans le chat? Peut-être, oui, taper, c'est mieux. Pose ta question, petit Sam, sur le chat. Oui. Petit Sam. Petit Sam. Je pense qu'elle va essayer de le taper. C'est, malheureusement, nous sommes éloignés par la technologie. C'est loin. Vous savez, pour moi, c'est bizarre d'imaginer, parce que maintenant, nous sommes séparés, parce que il y a 20 ans, quand j'avais petit, faire quelque chose comme ça, de parler avec les gens de l'autre côté du monde, c'était impossible. Seulement c'était un rêve. Oui, les gens du gouvernement ou de NASA. Oui. Ou, mais maintenant, la technologie. Oui. Il y avait une idée que peut-être avec la technologie qui fera le monde, qui rendra le monde plus petit. Les choses comme la haine s'y rendent impossibles parce que voilà, il y a un sentiment de connexion, il y a un sentiment de compréhension des autres, mais jusque maintenant, c'était pas le cas. Ok, petit Sam, encore pas de questions, je suis certain que tu veux demander. Si je peux juste introduire une question à vous, je vais juste montrer vraiment vite cette idée. Il y a un concept qui parle à propos. Attendez, peut-être c'est mieux si je le mets ici. Il y a un concept que bon, chaque génocide, on peut les considérer comme quelque chose qui se passe par étapes. Donc, c'est un processus. Comme vous avez dit, on ne se réveille pas un jour et disent, bon, on va tuer nos frères, on va tuer nos voisins. Il y a un processus. Donc, il y a un activiste et expert universitaire, Gregory Stanton, qui parle que, bon, il y a premièrement vient la classification des divisions des personnes entre nous et eux, puis
symbolisation, identification des gens en tant qu'un autre, puis discrimination, quand un groupe dominant utilise la loi, puis discrimination, puis ça passe à l'organisation des plans des meurtres génocidaires, puis la polarisation, préparation, persécution, finalement l'extermination et bien sûr les dénis. Ah, peut-être que ce n'était pas le cas, bah, il y a toujours un autre côté, ce sont les victimes qui peut-être ont mené ça sur eux. Et Gregory Stanton, il y a une idée que sur chaque étape, on peut avoir une arrête. Il y a une façon de prévenir cette étape de devenir quelque chose pire. Donc, si on parle de cette idée, si on parle de cette idée que il y a comme un autre côté, un autre chemin. Est-ce que c'est ça que vous voyez qui se passe maintenant? On peut considérer ici au Canada, dans le monde entier, entour. C'est un rêve de dire que ah, peut-être on peut arrêter ici. Si seulement les gens vont voir les autres comme, pas juste les autres, mais comme les êtres vivants. Est-ce que c'est une chose naïve ou, et surtout du point de vue de nous comme les enseignantes? Est-ce que c'est très bon de dire on va faire notre mieux d'améliorer le monde, mais est-ce que c'est naïf ou non? Ou même si c'est naïf, il faut continuer parce que sinon, quoi d'autre à faire? Ah, c'est une belle réflexion parce que moi je me dis chacun de nous, tu peux faire quelque chose parce que tu peux faire quelque chose même si c'est une petite contribution, mais aussi vraiment je donne l'importance à nos politiciens, surtout dans nos pays peut-être africains où des fois, il y a beaucoup de facteurs qui sont là. Des fois, il y a ces guerres. Des fois, il y a ces... Mais moi, je trouve, individuellement, tu peux faire quelque chose. Si tu fais quelque chose, moi, je fais quelque chose. L'autre fait quelque chose. L'enseignant fait quelque chose. Parce que moi, je vous ai dit que même dès le bas âge, nous, les enseignants eux-mêmes enseignaient la mauvaise idéologie de haine aux enfants. Donc, tu vois comment l'enfant apprend les choses. Les choses sont dans la tête d'un enfant. Tu ne vas pas les enlever, surtout quand c'est un enseignant qui a dit ça. Parce que quand tu es un enfant, un enseignant, c'est comme un héros. Donc, il a tout à fait raison, il n'a jamais tort. Donc, c'est très facile d'enseigner aux enfants parce qu'ils vont être fidèles à ce que tu enseignes. Ils vont apprendre. Donc, pour moi, ce n'est pas naïf de dire on fait ça parce que ta petite contribution peut changer le monde. Ta petite contribution peut faire le monde meilleur. Si tu enseignes des enfants, tu les donnes des belles histoires, tu les donnes les choses qui sont importantes, pas les choses qui ne sont pas nécessaires, tu fais ta contribution. Moi, c'est la même chose dans mon domaine où je suis. Les politiciens, ils sont dans les bonnes places pour enseigner la cohésion sociale, les bonnes politiques, le développement de leur pays au lieu d'aller diviser la population. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends le Rwanda comme un exemple, tu vas voir est-ce que les gens qui ont tué les autres, qui ont tué 1 million de personnes, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce que les enfants ont gagné? Tu vas voir que c'est vraiment, je m'excuse, mais c'est stupide de faire ces choses-là. Ça n'a aucune importance. Il y a quelqu'un qui a même, à la fin, ils ont quitté le pays, ils ont été menacés, ils ont perdu les enfants dans les forêts en prenant la fuite. Donc, pour moi, il n'y a pas de bénédiction pour les mauvaises choses comme ça.
Si tu fais une mauvaise chose, c'est rare que tu vas peut-être subir des conséquences. Donc, moi, je trouve que c'est mieux, ça promet de faire du bien au lieu de faire du mal. Mais je pense que les humains, on est capable de distinguer du bien et du mal. Ce n'est pas naïf de choisir le bien contre le mal. C'est même prudent, c'est même bien. Ce n'est même pas religieux parce qu'il y a même les non-religieux qui font du bien. Il y a les religieux qui ont tué les gens. Donc, c'est humain de faire du bien, ce n'est pas naïf. Je pense que c'est la petite contribution qu'on peut faire dans notre monde, individuellement ou collectivement. Faire du bien, c'est mieux. Et puis, on a la capacité de tout le temps choisir du bien contre le mal. On a cette, peu importe ta religion, tes croyances, ta situation sociale, économique. Donc, en tant qu'humain, on est capable de faire du bien. Si tu fais du bien, je fais du bien, l'autre fait du bien. Partout où nous sommes, on va pas avoir toutes ces choses-là. Mais si tu vois encore tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas être très optimiste encore, voir ce qui se passe dans le monde, dans les pays, dans les différents pays, comme tu dis, en Russie, l'Ukraine. J'ai vu des enfants qui sont en train d'être tués. Chez nous, en Afrique, les gens meurent à chaque jour. Donc, on peut faire du mieux, mais sans toutefois être très optimiste, parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas meilleur aujourd'hui aussi. On n'apprend pas beaucoup de l'histoire, je pense, mais individuellement, on peut quand même faire du mieux. Ouais. Merci beaucoup, petit Sam. Petit Sam a écrit toutes mes condoléances pour vous. Gaël, si tu perds tes proches, nous sommes toujours avec vous sous la loi de l'amitié. Je suis contre la haine. Oh, si je te félicite, car vous êtes une meilleure personne, gardez toujours l'espoir. C'est très mignon, c'est très gentil. Mon nom, c'est Géraldine. En fait, Gaël, c'est... Désolé. J'avais pas vu que c'est Gaël. Gaël, c'est mon fils, là. Mon ordinateur avait un problème. J'ai utilisé l'ordinateur de mon fils. Donc, j'ai vu le nom de Gaël. J'avais même pas constaté ça. Sinon, je te remercie aussi. On choisit du bien, on distingue du bien dans notre vie, dans chaque vie de tout le monde. Si on choisissait du bien contre le mal, je pense que notre monde est très meilleur. C'est juste une petite contribution qu'on peut faire individuellement. Mais si on choisit du bien, imagine si tout le monde choisit du bien, il y aura plus de mal. On va vivre une belle vie, nos enfants vont vivre une belle, leurs enfants vont vivre une vie meilleure. C'est tout ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas faire l'impossible. On ne peut pas changer tout le monde, mais on peut changer nous-mêmes. Merci. Rahim, c'est une question, Avant tout, Madame Géraldine, merci pour votre partage. Aujourd'hui, si on parle de Rwanda, on parle de l'un des meilleurs pays dans l'Afrique au niveau évolution et développement. Ma question, avant cette formation, j'ai entendu parler de guerres civiles, des guerres entre tribus, mais j'ai jamais entendu parler de génocide. Selon vous, pourquoi? Tu dis que tu n'as jamais écouté parler des génocides des Tutsis. Oui. Au Non. Rwanda. J'ai entendu parler de guerres civiles, de guerres entre tribus, mais j'ai jamais entendu parler de génocide. Pourquoi ce silence-là, selon vous?
Je ne vous écoute pas, je m'excuse. J'avais pensé. Oui, c'est, tu sais, les questions pourquoi on mentionne ou on ne mentionne pas les événements historiques dépendent beaucoup du contexte. Et expliquer pourquoi un événement est mentionné dans l'histoire ou sur niveau général. Pour moi, avant cette formation, c'était quoi ce que je connais sur Rwanda? C'est un pays qui a vécu beaucoup de guerres civiles, beaucoup de guerres entre tribus, mais un jour, un président, elle a décidé de passer vers un État-nation. Elle a fait unir Rwanda. Et aujourd'hui, Rwanda, c'est un pays au niveau développement, au niveau évolution. C'est un des meilleurs pays en Afrique. C'est ce que je savais avant cette formation. Oui, ce que tu dis est vrai, mais il y a aussi le contexte sociopolitique comme on a expliqué dans les années 60 avec l'abolition du royaume et puis avec la colonisation aussi qui mettait l'emphase sur le royaume et puis comme j'ai dit d'origine, on choisissait les rois Tutsis. Ça, avec la République, quand on a aboli le royaume, la première République était contre les Tutsis. Donc, il y a beaucoup de Tutsis qui ont été tués dans ces années. Il y a des Tutsis qui se sont réfugiés même dans les pays limitrophes du Rwanda. Ça a commencé dans les 4 décennies qui ont précédé le génocide. Donc, le génocide des Tutsis a été accepté par les Nations Unies. Donc, c'est documenté vraiment. Si, comme vous êtes dans le domaine, vous allez lire beaucoup sur le déroulement du génocide, les problèmes, les origines, les effets, tous les éléments qui étaient réunis pour que le génocide soit vraiment perpétré contre la population Tutsi. Il y a beaucoup de documentation. Il y a même les gens aujourd'hui qui écrivent sur le génocide des Tutsi parce que c'est vraiment un événement très complexe. Une population qui se met debout, qui extermine l'autre population semblable, même culture, même langue, même condition de vie, qui se déroule à l'intérieur vraiment du tissu social. C'est un génocide un peu spécial par rapport aux autres. Si tu lis, qui s'est déroulé dans très peu de temps, seulement dans les 3 mois, dans les 100 jours, un milieu de Rwandais, de Tutsi, était tué. Donc, il y a beaucoup d'aspects à considérer quand il s'agit du génocide des Tutsis. Il y a des documentations que tu pourras vraiment lire pour comprendre si tu es intéressé dans le domaine. Il y a même les gens qui écrivent aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages, même aujourd'hui, des nouveaux témoignages que tu vas écouter, que tu n'as jamais écouté, parce que les gens vont prendre leur temps pour pouvoir évoluer, pour pouvoir parler ce qu'ils ont vu, pour pouvoir parler ce qu'ils ont connu. Sinon, vraiment, si tu vas voir au moins en avril 1994, quand on a battu l'avion du président, comme ils disent que c'est l'élément déclencheur. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais tout ce qui est vrai, c'est que même avant, la situation était vraiment très délicate. Comme on a dit, le génocide se déroule vraiment pas souvent, mais si ça se déroule, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont ensemble, qui sont regroupés pour qu'une population puisse exterminer l'autre. Je pense que comme tu es dans le domaine, tu es intéressé, tu vas pouvoir lire. C'est nouveau, ça fait 28 ans seulement, donc les gens sont en train de développer les idées, sont en train d'écrire, il y a des recherches qui ont été faites. Il y a des recherches qui sont en train de se faire aujourd'hui. Donc, 28 ans,
c'est pas vraiment une longue période. Surtout que quand le génocide est terminé, il n'y avait pas, honnêtement, il n'y avait pas un pays. Il y avait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler, c'était un pays plein de corps et puis de traumatismes. Les gens qui venaient de survivre étaient complètement traumatisés. Et puis, il y avait les gens qui venaient de commettre un génocide aussi, qui se fuyaient dans les pays limitrophes. Il y a des gens qui étaient à l'intérieur du pays, on les mettait en prison, leurs enfants étaient restés sans quelqu'un pour les prendre en charge. Il y avait des conditions extrêmement délicates pour parler un pays. Si tu dis qu'aujourd'hui, le Rwanda est parmi les pays qui se développent bien rapidement, qui est sécuritaire, aujourd'hui tu vas là-bas, partout dans les coins du pays, tu es safe, tu es en sécurité, c'est qu'il y a les gens qui travaillent pour ça. Ça ne se fait pas juste comme ça. Il y a les gens qui mettent beaucoup d'efforts. S'il y a les gens qui ont fait que le pays soit complètement détruit, il y a les gens qui peuvent aussi se dire on peut faire mieux. Donc, il y a les gens qui ne dorment pas, qui ont hérité le pays, qui coulait le sang partout. Tout ce que tu voyais, ce sont les sites et les corps partout. Mais aujourd'hui, tu vas là-bas, tu trouves un pays propre, qui se développe, les gens sont bien, il y a les riches, il y a des gens qui se développent, et c'est un beau pays, tu peux le voir sur tout sur l'Internet aujourd'hui. Mais ça veut dire que nous, les humains, on est capable de faire du mal et du bien. On a tous les deux capacités, donc si on choisit bien, on fait du bien, si on choisit du mal, on commet le génocide. Donc, tout ça, ce sont les capacités humaines. On est capable de faire du bien et du mal à la fois. Oui, Jardine, merci beaucoup pour le temps. J'imagine que c'est déjà dépassé les limites. Merci infiniment. Je sais que peut-être c'est un peu un cliché, mais c'est juste peut-être continuer l'idée qu'il y a toujours le bien et le mal. Cette monsieur, chaque fois, quand on parle à propos de Rwanda, ici au Canada, on a toujours dans notre tête Roméo Dallaire et ces mots qui sont le titre de Roméo Dallaire était juste pour donner un contexte, c'était un soldat canadien qui était le chef de force des casquettes bleues. Et il a dit, donc son mémoire est appelé en serrer les mains avec les diables. Donc il a dit que, et un refrain dans les livres, c'est que, bon, si les diables existent, parce que je l'ai touché, je l'ai vu, je l'ai senti. Donc, si les diables existent, je suis sûr que les dieux existent aussi. Parce que si la grande mal existe, il faut avoir un autre côté. Donc, exactement. Et Jardine, comme vous avez dit, que la reconstruction du pays ne se passe pas par un accident magique. Et comme vous avez dit, que s'il y avait les gens capables de détruire, il y aura les gens qui sont capables de construire, reconstruire, rebâtir. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais que chaque fois quand vous partagez quelque chose si personnel, c'est pas toujours facile, mais ce que vous avez partagé avec nous, c'est un autre. J'espère que pour nous, comme les enseignantes, c'est un autre petit morceau, c'est un autre petit morceau dans les murs qui ont été un mur, je ne sais pas, une ponte qui ont essayé de construire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle métaphore, mais quand même. Mm-hmm. Merci beaucoup pour votre temps. Merci également. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question? Tout est bien? On peut se quitter? Non.
Il y a un grand merci. Et un grand honneur, un grand plaisir. C'était très bien. Bye bye. À la prochaine, peut-être. Bye bye. À la prochaine, j'espère. Hein. J'espère qu'il ne sera pas les dernières fois. Au revoir. Ouais. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Attendez, mes amis, attendez. Après, Géraldine, si vous êtes intéressé, vous pouvez rester. Notre prochaine session sera le 16. Ça sera la prochaine semaine. Vous allez avoir une autre rencontre. Cette rencontre sera avec la grand-mère de mon collègue qui vient du Maroc. Perla, elle s'appelle Perla. Elle a 90 ans, peut-être non, on ne sait pas parce que il n'y a pas des détails, des documents. Mais elle était une enseignante. Elle vivait au Maroc pendant sa jeunesse. Elle a enseigné. Et puis, elle a déménagé avec sa famille ici au Canada. Donc, aujourd'hui, j'étais là dans la même salle quand Daniel, c'est le nom de mon collègue, quand elle a parlé avec sa grand-mère. Vraiment, vraiment hâte de vous rencontrer parce que c'est sa jeunesse. Elle parle le français comme on a parlé le français de l'Alliance française. Elle parle bien sûr l'arabe. Elle sera, je pense, qu'elle est ravie. Donc, ce sera en conversation avec la famille parce que à cet âge, elle a commencé d'oublier quelque chose. Donc, vous allez rencontrer trois générations. Donc, Perla, c'est la grand-mère, puis son fils, le père de mon collègue, et mon collègue Daniel, qui est le grand-fils. Donc, il parle le français, bien sûr. Donc, ça sera une autre rencontre intéressante, j'imagine, avec vous. Si vous avez des questions qui vous avez à propos de passer, voilà. Donc, ce sera la conclusion de notre discussion. Aujourd'hui, c'était une autre démonstration qui est le pouvoir de témoignage, le pouvoir de personnel. Même que c'est à travers l'écran et tout ça, donc ça touche beaucoup. Et j'espère que si les enfants peuvent l'entendre, si les apprenants peuvent l'entendre, ça change quelque chose. Donc voilà, est-ce que avant, je sais que c'est très, très, très tard pour vous, mais si vous avez des questions, des commentaires, sinon on vous verra la semaine prochaine. Au même temps. Oui, je veux juste savoir, est-ce que la séance prochaine, ça sera une conclusion de toutes les séances précédentes ou bien il y aura un thème précis? Ce sera pour moi les rencontres finales. C'est comme, si vous pouvez imaginer, notre progression était, notre thème était comme d'aller petit à petit, de commencer des points de vue, comment est-ce qu'on peut parler à propos des génocides, comment on peut, quel outil pédagogique on peut utiliser, comment on peut diviser un thème si vaste, si complexe dans les étapes, parce que quand vous écoutez le témoignage de Géraldine, c'est très très facile de voir les étapes, donc la classification. Donc elle parle, on peut presque comme souligner les parties de sa de son récit, on peut les distinguer. Ok, ah voilà la partie qui parle à propos de classification. Ah voilà la partie qui parle à propos de désémination. Ah voilà, donc c'est cette cadre
je pense que dans oui. nous, on en prenant comme un très, très bon. Compris. C'est bon. Et demain, la semaine prochaine, ce sera une rencontre. C'est juste une façon de conclure et de demander les questions, si vous les avez. Mohamed, c'est une main ou non? Oui, ça, je n'ai... Oui, il n'y aura pas de souci, bien sûr. OK. OK. Oups. Donc, dans ce cas, merci beaucoup d'encore rester avec ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et jusqu'on vous verra la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi. Merci, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Je crains. À la prochaine. À la prochaine.